La densité des chirurgiens dentistes en France, d'après le dernier zonage Carto Santé 2023, donne une densité de 56 praticiens pour 100 000 habitants. Dans l'idéal, il faudrait être 70 pour 100 000 habitants. Dans la région des Hauts-de-France, on a une moyenne de 43 pour 100 000 habitants, avec des disparités entre le Nord, qui est à 52, le Pas-de-Calais, qui est à 44, l'Aisne, qui est à 42, l'Oise, qui est à 38 et la somme qui est à 32. Alors les sept règles de la, de, des bonnes pratiques d'hygiène bucodentaire, c'est d'abord d'avoir une alimentation équilibrée et variée, donc c'est éviter les, la consommation d'aliments trop sucrés, sucre transformé essentiellement, ensuite c'est le, les règles d'hygiène bucodentaire avec un brossage régulier matin et soir avec du dentifrice fluoré, la consultation du chirurgien dentiste euh, au moins une fois par an, Ensuite, ce sont les, les adjuvants euh, le, qui sont le fil dentaire, qui est la cinquième recommandation. Ensuite, vous avez les, les populations qui ont des problèmes parodontaux avec la consommation régulière de bains de bouche contenant des huiles essentielles pour stabiliser la plaque bactérienne. Et la septième qui était un peu abandonnée, c'était la consommation de chewing-gum sans sucre. Le brossage des dents matin et soir surtout le soir avant d'aller coucher, le matin après le petit déjeuner, ça suffit avec un antifrice furé, avec une rémanence de 12 heures, il n'y a pas de problème, et avec le bon geste. Les dents étant en 3 dimensions, pensez à brosser en 3D. Donc c'est toujours du rose vers le blanc, mais avec un mouvement de rotation. Pour vraiment faire passer les poils entre les dents. Toujours commencer par la dent du fond pour faire un chemin de brossage qui valait du fond à l'autre côté. On Revient à l'intérieur toujours avec le même mouvement. Ça prend 30 secondes, 30 secondes, les faces supérieures, et après on passe à la mâchoire, à l'autre mâchoire. On peut aussi utiliser une brosse électrique en n'oubliant pas que les dents propres ne sont pas blanches, mais elles sont lisses. Deux minutes suffisent, mais deux vraies minutes. Le temps moyen de brossage c'est une minute trente. En une minute trente, on enlève 60 de la plaque dentaire. À moins d'une minute, on n'enlève que 30 de la plaque dentaire. Donc c'est vraiment un mouvement de décollement. La plaque dentaire, c'est l'enduit physiologique. Qui se dépose tous les jours sur les dents, qui est constitué des protéines de la salive et des bactéries qu'on a naturellement dans la bouche, bactéries dont on a besoin pour vivre. On a parlé du bon mouvement, on va surtout maintenant parler du mauvais mouvement, parce qu'en fait on a beaucoup de problèmes avec des gens qui brossent trop fort. À partir du moment où vous bûcheronnez vos dents, avec un mouvement de cisaillement, vous allez à la fois abîmer la gencive et surtout la base de la dent. À partir du moment où la gencive se sera rétractée, L'émail de la dent ne protégera pas la surface qui va être exposée, d'où les problèmes d'hypersensibilité. Évitez toutes les mauvaises recettes sur Internet. Le jus de citron, quelque chose d'hyperacide. Si vous faites un régime avec du jus de citron, le boire avec une paille. Il n'y aura pas de contact avec les dents. Même chose avec certains sirops, toujours avec une paille. Évitez aussi le mouvement du haut en bas. Je sais bien qu'à la télé, à chaque fois quand on brosse les dents, c'est fait dans ce mouvement-là. C'est bien revenir sur un mouvement de rotation. À la limite, c'est maintenir la brosse entre deux doigts pour ne pas avoir trop de pression, pour ne pas détruire sa brosse à dents un Instrument qui est fragile. Ensuite, éviter le, tout ce qui va être euh, consommation de produits euh, trop acides, trop vinaigrés. Le bicarbonate ne sert à rien aujourd'hui parce qu'il va rendre la surface de la dent poreuse et surtout bien laisser le fluor agir. Donc, C'est vraiment la fluoration qui est importante. fluoration se fait uniquement par fluoration topique. On évitera chez les enfants la consommation de comprimés fluorés qui n'apportent rien. Les démonstrations ont été faites avec une étude de 2020 euh, sur le, flu, le, 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 le mésusage du fluor. La santé bucco-dentaire des enfants, c'était un problème qui a été relevé du fait de la, la dangerosité de l'alimentation, surtout sucrée, aujourd'hui. Donc, la, la recommandation, ce sont des visites régulières. La première visite se fait pendant la grossesse, parce que c'est maman qu'il faut prendre en charge. Ensuite, la première visite chez l'enfant, c'est à l'âge recommandé à l'âge de 1 an, parce qu'à l'âge de 1 an, c'est facile. Et ensuite, c'est recommandé tous les ans. Avec la génération sans carie qui arrive maintenant, donc la génération, la cohorte de génération sans carie. Les familles vont pouvoir avoir droit à un bilan buccodentaire tous les ans, entre 3 ans et 24 ans, en sachant que tous les ans, en 2025, on fera rentrer une année supplémentaire en amont. Et en 2027, par exemple, on aura donc une cohorte génération 100 carré qui pourra faire un bilan buccodentaire tous les ans pris en charge, entre 3 ans et 27 ans. C'est l'instrument qui va nettoyer. L'élément qui nettoie dans la brosse à dents, c'est le bout du poil. C'est la torsion du poil qui va être efficace ou pas. Donc la brosse à dents doit être souple. Une petite tête. Le dentifrice, le dentifrice doit être fluoré. Le fluor a été considéré comme étant le dixième élément essentiel à la vie en bonne santé par l'OMS. La concentration des dentifrices en fluor fait qu'aujourd'hui, à partir de l'âge de 6 ans, on peut utiliser un dentifrice adulte, dent de grand, dentifrice de grand. La concentration de, du, du dentifrice sur la surface de la dent est l'élément essentiel. Les dentifrices enfants aujourd'hui ne sont pas suffisamment dosés. Donc, c'est un colloque de santé publique en 2019 qui l'a démontré. Avec un brossage régulier, tous les matins, tous les soirs. Et ce qui a changé, c'est qu'un dentifrice, c'est comme de la crème solaire, c'est pas fait pour être rincé. On ne se rince pas la bouche après s'être lavé les dents. La, la dent dans la bouche, c'est un des seuls éléments qui soit à la fois dedans et dehors. La dent dans la bouche, c'est le petit bout de votre squelette. Donc, à partir du moment où tous les éléments vont pouvoir passer à l'intérieur de la dent, ils vont se retrouver dans la circulation générale et amener un tas de pathologies. La pathologie, elle peut être générale et elle peut amener des conséquences extrêmement graves. Il y a encore des pays dans le monde où on décède de problèmes buccodentaires maltraités. Ça peut être dit à un problème buccodentaire, à un problème parodontal, ou après à un problème digestif. À partir de là, il faut traiter les problèmes en amont. Donc si c'est un problème parodontal, faire des séances de détartrage et d'assainissement qui permettent d'éliminer de, de, le système bactérien, éventuellement d'arrêter de fumer un fumeur ayant toujours mauvaise haleine du fait de son, de son absence d'oxygène dans la bouche. Et ensuite, c'est de, de consulter pour un problème euh, digestif, si, si c'est un problème digestif. Si les choses ne s'améliorent pas après ces symptômes-là, il y a des produits qui existent maintenant qui permettent d'éliminer les dérivés souffrés lorsqu'ils se forment dans la bouche. Ça permet d'avoir une meilleure, une meilleure hygiène, une meilleure haleine.